Le Parti Ivoirien du peuple, avec Tano Amini. Le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, avec Assimi Ekissi. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité du peuple, avec le ministre Olivier. Le Parti des Normands et Artisans de Côte d'Ivoire, avec un Congrès. L'alternative africaine pour la social-démocratie avec mon dirigeant. Et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire avec son espace. La réconciliation.
exprimer particulièrement notre gratitude à tous nos invités, dont la présence distinguée, l'eau, l'éclat et la portée de notre Seigneur. Vous démontrez ainsi, chers invités, l'amour et le grand intérêt que vous portez pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Recevez en retour nos vifs et sincères remerciements. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jeudi 28 novembre 2019 a pour objet la signature du manifeste adopté la semaine dernière par les partis politiques membres de notre plateforme. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix et le lancement officiel des activités. En effet, le 15 octobre 2018, devant les partis que j'avais présentés de notre démocratie, j'ai appelé au cours du 6e congrès extraordinaire du PDCIADA les fils et les fils, fils de notre pays, et prix de paix, d'équité et aspirant à une vraie réconciliation pour une paix définitive et durable à se retrouver au sein d'une plateforme non idéologique des partis politiques, des organisations de la société civile et des forces vives de la nation. Cet appel patriotique a été entendu et partagé par chacun d'entre vous, en témoigne l'affirmation de votre engagement à cette cause nationale lors des visites fraternelles et d'amitié que vous m'avez rendu régulièrement à Dabo. Je vous en remercie. En conséquence, ce jour, examinant conjointement au sein d'une structure ad hoc certaines préoccupations d'enjeu national, telles que la réforme de la CEDEAO, nous sommes parvenus à constituer la présente plateforme, laquelle est attendue par nombre de nos concitoyens. Vous convenez avec moi que la réussite d'une telle œuvre, conçue avec patience et une approche méthodique et consensuelle, ne peut que chagriner les fossoyeurs de notre démocratie. Thank you.
notre coalition. Les Ivoiriens aiment la paix et désirent ardemment retrouver tous les ressorts sociaux indispensables à une vie harmonieuse et paisible. Notre coalition s'engage à satisfaire ce noble idéal. En conséquence, le manifeste de la CDAP que nous proposons au peuple de Côte d'Ivoire et dont l'étude vous sera faite tout à l'heure par le secrétaire permanent de notre coalition est un document d'analyse de l'environnement sociopolitique de notre pays et de proposition d'engagement que prend la CDAP auprès du peuple de Côte d'Ivoire en vue de sauvegarder les acquis démocratiques et restaurer les libertés publiques et l'état de droit dans notre pays. Mesdames et messieurs, cette lutte est plus que nécessaire, car c'est une œuvre de salut public qui s'impose aux citoyens amoureux de paix et de liberté. Comme je l'ai affirmé au cours de ces derniers mois, notre pays a atteint, sous le pouvoir du RAPP unifié, un niveau de régression sans précédent dans tous les domaines de la vie de la nation. La pauvreté s'est accrue dans les zones rurales. Cette augmentation provient de l'incapacité du gouvernement à gérer efficacement les secteurs de production nationale. Cela se traduit par la demande de certains produits de rente, l'absence de soutien du prix du café et du cacao, mettant le bras à la population paysanne dans une situation d'extrême pauvreté. Au plan de la démocratie, le pouvoir du RADP unifié, viole la Constitution et les lois de la République de manière constante. Ainsi, de nombreux prisonniers politiques et militaires sont illégalement en détention. Des citoyens exprimant des opinions sur les faits de la société ivoirienne sont arrêtés. De même que des élus en dépit de leur immunité parlementaire. Des procédures judiciaires abusives sont engagées contre les anciens membres du gouvernement au mépris des dispositions constitutionnelles. La justice est instrumentalisée pour des procès politiques contre des élus sans égard de leur statut. Les institutions de la République sont devenues des tests de résonance au service du pouvoir autocratique RADP unifié. Aux élections d'octobre 2018, certaines communes gagnées par l'opposition ont été mises sous tutelle de façon arbitraire. De même, des inversions de résultats électoraux, inversions éventées de résultats ont été opérées dans d'autres
coalition PDCI, CRPP, RMPI, EDS, les discussions sur la réforme de la CDI, le régime en place a installé, comme vous le savez, une nouvelle commission électorale aux ordres. Malgré l'intention de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui demandait à l'État de Côte d'Ivoire, dans son arrêt du 8 novembre 2016, d'opérer une réforme profonde de l'institution. La commission électorale mise en place est compliquée et incapable d'organiser des élections justes, libres, transparentes et crédibles en 2020. Au plan de la gouvernance économique, l'économie de notre pays est aujourd'hui l'objet d'une prédation systématique au profit d'un cercle fermé proche du pouvoir. Nos forêts font l'objet de nombreuses expropriations et occupations illicites au détriment de nos grandes populations. La reine ivoirienne croît de manière exponentielle suite à des emprunts massifs sur les marchés d'euros. Obligation. Les ressources issues de cet emprunt ne sont pas affectées à la défense d'un investissement productif. Malgré la propagande des tenants du pouvoir, pour faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, les résultats de la mauvaise gouvernance transparaît dans les statistiques suivantes. Un taux de chômage de 70 à 80% de la population en âge de travailler, selon la Banque africaine de développement. Un classement mondial de 170e pays sur 189 et continental de 35e sur 53 derrière le Ghana, le Togo, le Bénin en 1900 au regard de l'indice de développement humain. Un taux de pauvreté de plus de 46% selon la Banque mondiale et de 48% selon la Banque de France. Un taux d'endettement qui est passé au-dessus de la barre moyenne de 50% des taux d'endettement des pays africains. La mauvaise gouvernance est également visible dans le niveau de corruption élevé observé lors de l'attribution de marchés publics par la procédure de gré à gré. Au plan de l'éducation, l'école ivoirienne, jadis une référence dans la sous-région, est en profonde délicatesse. En témoigne entre autres la production de manuels scolaires. D'un système d'enrichissement illicite
à travers les doubles institutions en ligne et physique, l'école de Barrière s'effondre sous nos yeux. On a ainsi notre jeunesse à un recul intellectuel inévitable. Au niveau de l'administration publique, le pouvoir par la politique du tabouret. Thank you.
à l'amélioration significative de notre système sanitaire. En conséquence, notre coalition lance un appel solennel et patriotique à toutes les forces vives de notre pays pour faire échec au régime fédéral unifié dans son funeste projet de démantèlement des ressorts de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Et deux, de préserver notre pays du chaos et lui rendre l'assurance de l'avenir rapide. Je vous remercie. Soit habituellement arrêté, maintenu en détention sans jugement.
soit la République, soit devenus des instruments au service du pouvoir autocratique et à la liberté inclusive, aux libertés fondamentales, à l'état de droit et aux droits humains. Tous ces atteintes portant à la liberté d'expression individuelle et collective dans l'espace public sont de nature à empêcher une élection présidentielle crédible et transparente en 2020. Pour illustrer cette affirmation, l'on peut rappeler que les Ivoiriens assistent avec indignation à l'incapacité du gouvernement et des services publics à produire à bon date des cartes nationales d'identité, pièces essentielles pour l'inscription sur la liste électorale des citoyens en âge de voter. La mise sous tutelle de façon arbitraire de certaines communes rencontrées par les partis politiques de l'opposition lors des élections municipales et régionales d'octobre 2018. Des arrestations répétées des citoyens exprimant des opinions sur des faits de la société ivoirienne et depuis en début de leur immunité parlementaire. Des procédures judiciaires abusives engagé contre des élus et des anciens membres du gouvernement au missionnaire. Dans sa farouche volonté de s'assurer un sans partage, le régime au pouvoir, lors des élections municipales et régionales en 2018, n'a pas hésité à recourir à des fraudes massives et systématiques, à des intimidations, à des violences, et a souvent conduit à des pertes en vie humaine. Les dernières élections ont surtout été marquées par des inversions et ont été des résultats. Par ailleurs, après avoir écarté l'opposition majoritaire des discussions sur la réforme de l'organe en charge des élections, le régime au pouvoir, avec une arrogance intolérable, a installé une nouvelle commission électorale totalement à sa dévotion en flagrant violation des exigences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avait dans son arrêt du 18 novembre 2016 enjoint l'État de Côte d'Ivoire d'opérer une réforme profonde de cette institution afin qu'elle retrouve un caractère impartial, autonome et indépendant. Deux des dérives au niveau de l'administration publique, à lui-même, au mépris de son devoir absolu d'équité, a instauré une politique sectaire faite d'injustice sociale manifeste, permettait notamment dans la nomination haute fonction de l'administration. Ces pratiques jusque-là inconnues dans notre pays accentuent la fracture sociale et entraînent une sorte de ségrégation entre les citoyens. Trois des dérives de la gouvernance économique. L'économie du pays n'a guère reconnu pour son dynamisme être aujourd'hui l'objet d'une prédation éhontée. En effet, de ressources et de privilèges au service d'un seul fermé proche du pouvoir. Les forêts ivoiriennes véritables sont le musée des communautés rurales et paysannes, sont l'objet de nombreuses expropriations et occupations illicites pour une dangereuse déstructuration sociale. Je suis d'une autre époque, là, le paysan, par la dévente de certains produits de vente, notamment dans la carte de l'hiver, ainsi que par l'argent de soutien au prix du cacao. En outre, pendant que la dette ivoirienne croît de manière exponentielle à travers les emprunts massifs, l'on assiste à des dépenses publiques non productives qui compromettent dangereusement la réduction du coût de la vie et la vie des générations futures. Cette mauvaise gouvernance est visible à travers les statistiques suivantes. Un taux de chômage de 70 à 90% de la population en âge de travailler selon la Banque africaine de développement. Un PIB de 8% en 2012 qui en baisse à 7,7% en 2017 et 7,4% en 2018. La richesse est à grande échelle et le masque. Les œuvres dont se prêtent lors des examens concours, la corruption de certains partenaires du système éducatif, la violence et la sécurité en milieu universitaire, le décalage des années universitaires sur le cadre de programmation des examens des années antérieures,
la mise en place d'un système d'enrichissement explicite à travers toutes les inscriptions à ligne définitive. Ainsi, l'école ivoirienne s'effondre chaque jour sous nos yeux, condamnant la jeunesse ivoirienne à une inéluctable intellectuelle et à une incompétence dans l'exercice des charges publiques et privées. Ce qui enchante la perte de la valeur des diplômes universitaires et professionnels ivoiriens. C'est des délits au niveau de la sécurité. Depuis l'avènement du pouvoir actuel, l'on assiste à une forte dégradation de la situation sécuritaire de notre pays. Chaque jour, de nombreux citoyens ivoiriens sont sous le regard des passifs, voire complices des autorités du pays, l'objet d'agressions sauvages perpétrées par des jeunes délinquants, surnommés du corps, qui foisonnent et sévissent sans pitié dans une inexplicable impunité dans nos villes. Dans le même sens, le phénomène de coupage de l'eau s'amplifie sur de nombreux axes routiers à l'intérieur du pays et ceux dans les différents sociétés de pouvoir public. Tous ces faits répétables portent sérieusement à les hôpitaux sont dégradés et encombrés avec un personnel de santé à bout de souffle. Les centres de santé hôpitaux totalement dépourvus du nombre de soins dignes de l'appel de la CDRP pour le CISO national. Au regard des grands dérives de l'économie nationale et de la population, la Côte d'Ivoire est déprimée et reconnaissante. Elle vit dans l'angoisse et la peur avec le moins d'inflation financière d'octobre 2020. Ainsi, vu les atteintes graves aux droits humains, à l'état de droit, aux libertés fondamentales, à la démocratie et à la violation permanente de la constitution des lois perpétrée par le régime au pouvoir, vu les entraves permanentes et violentes aux activités de l'opposition politique ivoirienne, les emprisonnements et les procès arbitraires, ainsi que les décisions de justice en faveur de l'ADP unifiée, au mépris de l'ordre démocratique républicain. Vu la mauvaise gestion des ressources publiques au sommet de l'État, source de fragilisation de l'équilibre budgétaire et macroéconomique, vu le taux de chômage élevé, ainsi que les atteintes graves au patrimoine forestier et foncier national, si vital pour nos masses paysannes. Vu la population grandissante des masses laborieuses, aggravée par une politique discriminatoire qui alimente dangereusement les inégalités sociales en Côte d'Ivoire, vu le recours systématique du régime au pouvoir à l'instrumentalisation des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité et de la corruption électorale pour servir la faute et l'inversion des résultats à toutes les élections, convaincu de l'impérieuse nécessité de restaurer l'unité nationale et la cohésion sociale gravement mise à mal en vue de l'instauration d'une paix durable, d'une paix sociale durable sur le cadre de la stabilité du pays, convaincu que tous les citoyens de notre pays, dans un système énergique et sanitaire, ont le devoir de se rassembler pour réaliser l'union sacrée autour de la nation menacée dans ses fondements, en vue de la restauration nationale, la réconciliation, la paix et la stabilité du pays. Nous, partis politiques de l'opposition, organisations de la société civile et personnalités politiques, signalons la charte du Conseil du présent manifeste, refusons, avec le peuple de Côte d'Ivoire, de nous faire complices de la gouvernance interne et des politiques du régime en place. Sommes déterminés à prendre devant l'histoire toutes nos responsabilités pour restaurer notre nation en pays. Sommes franchement résolus à préserver les acquis démocratiques, l'état de droit et l'exercice effectif de nos libertés. Sommes résolument engagés à rendre aux citoyens le prestige, la fierté de leur nation et la volonté de la défendre. En conséquence, nous lançons un appel solennel et patriotique à toutes les forces vives de notre pays pour faire échec au régime de la République dans son projet qui vise le démantèlement des fondamentaux de notre pays, la Côte d'Ivoire. S'unir solidaire et déterminé pour faire face
l'avenir. Par les sacrifices qui m'ont consenti, nous aurons légué une grande nation, notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, sauvez notre nation et nous sommes pour un nouveau contrat politique, économique et social. Proclamé à Abidjan le 28 novembre 2019, je vous remercie. Bonsoir, Capitaine Maurice, secrétaire exécutif en chef du PDCIADA, secrétaire permanent de la coalition des partis politiques pour la réconciliation de la démocratie et de la paix, fondée par le président Ali Bramidi. Je vous demande de saluer à vous. Après la lecture du manifeste faite par le secrétaire permanent, nous allons inviter les autorités des partis politiques coalisés pour la signature du manifeste. Donc, nous avons dressé une table. La procédure, nous avons appelé le parti et le président. Ils vont aller à la table, balancer toutes les pages et signer à la place de leur parti politique. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le président Ali Bramidi. La place, mais apparemment, tu es en train de me gifler complètement. Tu ne sais pas? Oui, c'est. Aussi, je vais reprendre, tu pourras pas. Mais quand on se fait dossier complètement.
Merci. Le mouvement pour la promotion générale de la nouvelle de la MDC. Le secrétaire général de la RU, le représentant de président de Congo et le rassemblement pour la paix, le progrès, le partage est dédié le président Martin Jugé.
l'Union des sociaux-démocrates, PSD, le président Alain Navarre. Le sésor national de l'Occitane, le président de la République. Merci. Le parti ivoirien du peuple PIP, président Tano Akin. Le parti communiste, le
révolutionnaire de peuple pour la PCRCI, le final est ici en Chine. Le président du Congrès panafricain populaire. Venez vous mettre.
Le président Nicolas Béguier
C'est par la suite, après avoir dit sur le manifeste de la CDRP adopté le 20 novembre 2019. Il a d'abord relevé que ce manifeste est un document d'analyse de l'environnement sociopolitique de notre pays et des propositions d'engagement auprès du peuple de Côte d'Ivoire en vue de sauvegarder les actes démocratiques, restaurer les libertés publiques et l'état de droit. Ensuite, il a fait l'état des lieux, la gouvernance du pouvoir et la liberté unifiée et noté sur la capacité à gérer efficacement les secteurs de production nationale, s'établissant par un accroissement de la pauvreté dans les zones rurales et urbaines. Enfin, le président de l'Union a appelé les membres de la coalition à initier des actions concrètes en vue de corriger l'ensemble de ces cas afin de préserver notre pays du chaos. Ensuite, le secrétaire permanent a donné lecture du manifeste du la CDRP. Ce manifeste. Thank you.
Thank you.
Il y a des problèmes.